Matin débat, c'est émission et pays à bon. Matin, on m'a gagné. On t'y parlait, besoin nous faire avec. C'est extrêmement important. Tout le monde l'a regardé 2022. D'ailleurs, je dis déjà, bataille qui vient là, dans la politique là, mais son bataille qui a fait là pour 2022. Même sénatorial qui va l'organiser, même élection pour débuter qui va l'organiser, eh bien, il va le faire en perspective de 2022. D'ailleurs, parti politique qui va être candidat qui va l'élection en 2022, obligé de travailler depuis qu'on y a. C'est pas sans raison qu'on a que OPL après organisé, après structuré, fusion après organisé, après structuré, parmi tant d'autres. Parce que, depuis une élection sénatoriale, avec vous député, c'est là, parti à Balconnet, qui j'en, libéral positionnel, donc, en 2022. Nous te dit tout que, je dis à gagner trois gros acteurs, et même quatre, qui là, en présence, cap goumé, et qui a fait stratégie. Et yo chaque a essayé d'aller droit sous koyo. N'a pas besoin de bataille. Lavalas, PHTK. Nous comptons dit soit déjà. Gagné à lui-même qui positionnait le déjà avec Yu La Tortue, potentiel candidat en 2022. Moïse Charles a retourné comme candidat à la présidence. Éric Jean-Baptiste déjà lui-même où est tout l'affaire là c'est pour 2022. C'est côté l'autre individualité en fait l'autre monde qui yo même là commencé à regarder donc question 2022 pour capable venir candidat à la présidence. Et ouais même dans PHTK ouais il y a des pions qui a déplacé, il y a des changements qui a fait, tout ça c'est non perspective 2022. Mais comme analyse que nous fait ici qui était rété, justement, et qui kembe jusqu'à présent. Je peux voir, il a qu'on y a là, ou est-ce que c'est président Michel Martelly, qui toujours au pouvoir, parce que c'est lui qui est imposé candidat à la présidence, lui, qui c'est Jovenel Moïse. Bien que, et ce même Valentin Jean, pas fin trop clair entre eux. Bien que, je dis, hein, on peut regarder, ou est-ce que, dans cinq ministres qu'il a eu, on peut c'est même Michel Martelly. Parce que petit parti, président Jovenel te fait dernièrement, il a profité, donc, vidé tout ça te gagné, parce que, proche Jovenel Moïse avec proche président Michel Martelly, yon mette yon bagay dans tête Jovenel Moïse, et puis proche président Michel Martelly mette yon bagay dans tête président Michel Martelly. Donc, te gagné yon bagay qui peut être trop clair. Te conti ou nous, entre équipe là. Et bien, c'est le président Jovenel Batia, et puis, ouais, bah là, pratiquement, donc, vin éclairci. Yon vin entendre, donc, sur question cabinet à tout. Mais, pas oublier, nous avons une situation particulière. Je dis déjà, gagner année 2018, ça, quel que soit agent, Jovenel Moïse doit passer à année ça. Et son année qui est très dure. Et nous t'annonçons déjà dans l'émission Matin Débat, politiquement. Et je dis là, Jovenel Moïse dit vraiment une situation très difficile. Non seulement avec l'international, mais avec l'argent que le pagain est dans le doux. Problème de parler nous de dossier d'hier. Et nous te dit dans le débat que Jovenel Moïse, comme président, il a moi, mais ça. Et comportement avec question Petro Caribé, avec question Guy Philippe d'hier. Mais c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Dit. C'est comportement par la gagne. C'est lui qui parle dit qui a venu le tout, en fait, sur le plan politique. Le dossier de Jovenel Moïse, s'agissant de l'affaire qu'il a été inculpé dans le dossier de l'argent qu'il a gagné dans la question de blanchiment, dossier ça, il pourra évacuer dans les jours à venir. Ça, c'est vous-même qui dites ça, c'est au niveau de la justice, hein. Okay. Au niveau de la justice. C'est qui dit non, ça, c'est ce coup-là. Non, non, est-ce qu'on va non, 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 ok. Non, non, le dossier de Jovenel Moïse, ok, sera évacué depuis la justice haïtienne. Fin prononcé, c'est fini. Pas de problème. All right. Et pas oublier, il y a deux épées sous tête, là. Question dit, qui m'a dit, des parlementaires dans le pays,
Pas un problème. Sous question Guy Philippe. Ce qui est de bonne guerre. Question Pedro Caribe. Haïti était signataire, n'est-ce pas vrai, avec Madeleine Albright. Sodiane. Ou une marraine vagabonde impliquée en droit. Sodiane, Nodelbourg. Des parlementaires qui t'a impliqué, t'a des implications présumées dans la question de drogue. Ok. Maintenant, année 2018, ça, il est déterminant pour le président Jovenel Moïse. N'est-ce pas, bah, machine officielle, yo, pour boire tes drogues. Et si, année ça, il n'est pas arrivé, bah, réponse que le de bail. À question Pedro Caribe. La question drogue. Il parle très difficile pour le faire 3 ans. Et dans l'élection 2022, si la situation était Jean-Alié là, à côté que pas de manger, il y a un grand goût dans le pays. M. Martelly, candidat à la présidence, il met le tir ça dans la tête parce qu'il va le voter contre Jovenel Moïse. Il va le voter contre Joseph M. Martelly. Donc, quoi acteur qu'il a, qui est, il y a 2 acteurs qu'il a pour nous veiller. Les duvalieristes. Parce que Duvalier Show a organisé. Là, on a parlé de 2022. Et je ne parle pas de nos chances pour nous intervenir. Les Duvaliers s'organisent là, on n'a pas là. Mais le débat qui est dans le Duvalier Show, est-ce que c'est Tinicola qui est seul héritier du trône? Ou bien est-ce que pas gagné l'autre monde tout dans le secteur qui est capable de représenter le secteur Duvalier Show dans l'élection 2022? C'est pas oublié, je dis ça déjà dans l'émission matin débat. Nicolas Duvalier, c'est le fils de l'ancien président Jean-Claude Duvalier. Mais il y a des petits des colonels qui ont sacrifié tout pour Duvalier, père, pour Jean-Claude Duvalier. Je dis à qui là? Qui a même tout qui a aspiration ça? Donc, ça, c'est un débat qui est dans Duvalier, ici. Dans le temps Duvalier, ici. Mais il faut que nous suivions Duvalier, ici, parce qu'il y a pas organisé là. Il n'y a pas ce réseau, quoi, avec un discours qui, je dis à qui est empoisonné, tous les réseaux sociaux, côté Abdouke. La TPI Bossu Duvalier que je dis en 2018, moi je me dis nous, Piga d'entrer dans le jeu de ça. Parce qu'on n'est pas capable de comparer ça, Duvalier fait en 29 ans avec un président qui lui-même a mandat 5 ans. On n'est pas capable. On peut peut-être évaluer ça, Duvalier était fait avec la valance qui dépassait 20 ans au pouvoir. Ça n'a pas un problème. On n'est pas capable d'évaluer ça, Duvalier fait en 29 ans avec Jovenel Moïse lui-même qui a déjà 1 an. Mm-hmm. Avec Michel Martelly qui seulement a 5 ans. Ou qu'a fait analyse comparative là. Et toujours même la Valencien qui te fait 20 ans au pouvoir, et puis tu vas aller qui te fait 29 ans. Alors la Valencien, vous allez dire que vous êtes brouillé 4 ans à 2 reprises. Vous êtes au coup d'État. Ok. Vous allez dire ça. Oui, vous allez dire ça. Ah ouais? Oui, vous allez dire. Ils ont raison à un certain niveau. À un certain niveau. Ah ouais. Ok. Mais question analyse, vous avez dit que, bah la TB, bon, tu vas aller, que sous Michel Matin. Non, Michel Matin, 5 ans de fait. Tu vas aller faire 29 ans. Ouais. Donc là, vous avez tant de temps pour construire. En 5 ans, qui sont président de Gavan Haïti. C'est notre cas. Ok? Maintenant, je dis, faut que nous gardions politique. Jean-Marie est là, avec Michel Martelly, qui est président pour l'élection de président de Jovenel Moïse, pour voir dans même Michel Martelly, ensemble avec Jovenel Moïse, avec l'équipe ça. Plus, M. secteur économique yo, qui finançait la campagne que président Michel Martelly pour devenir président, que président Jovenel Moïse pour devenir président. Donc, si Marie là était comme ça, la valance, s'il pas organisé, l'abdi honnête. Et que la valance, m'a dit, non? Si la valance pas organisé, l'abdi honnête, secteur démocratique là, il a perdu pouvoir pour longtemps. Le secteur dit démocratique. Parce que après Jovenel Moïse, ou pas venir Michel Martelly encore, ou pas venir Yon Long à la motte. Et si Olivier Martelly, l'abdi va à oui là, mon frère. Exact, Olivier. Mais son héritier lié, c'est héritier du trône, mon frère. Ah, je comprends. Ok? Dans la dynamique du régime que vous voulez situer, qui prend 40 ans, 50 ans, ok? Tu Olivier, c'est un acteur dans le régime ça. Donc, si la valance pas, je dis, organisez-le. Si le secteur démocratique là, pas organisez-le, eh bien, il a perdu le pouvoir pour longtemps. Maintenant, matin, et l'ambalbe, c'est un est devenu. Gros sénateur dans le Nord-Est, qui relève Jean-Baptiste Bien-Aimé. Parlant pile. La valace de cœur et de sang. Ou pique là, c'est sans la valace qui a tout dit. Non. Dans le cœur sénateur, Jean-Baptiste Bien-Aimé. Je dis à si élection dans le Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé, sénateur Bonne. C'est moi-même nous qui désire, m'a dit nous ça, me fait tout le pays. Il y a 2 grandes déceptions pour le monde Nord-Est. Il y a 2 grandes déceptions pour le monde Nord-Est. Il y en a les Jacques Sauvergeant. L'autre là, il est Wannick Pierre. 2 grandes déceptions. Même là,
monsieur Jean-Baptiste bien-aimé, monsieur pour un calenragé. Non, parce que le rivé dans le parlement, c'est blablabla, blablabla bla, bla, seulement. Et puis à la suite, il va entrer avec Jocelyne Privé. Perstika Femen. Avec la SCE. Oui, Perstika Femen. Mais Jodia, Perstika. Monsieur Malgré les sociaux. Non, Wanamet. Ok. Baille raison à Jean-Baptiste bien-aimé.